Les responsables de l'Institut de recherche technologique et de l'ambassade de Corée ont, eux, lancé ce matin le projet de culture de riz dénommé CAFACI, un programme de coopération intergouvernementale et multilatérale qui vise à améliorer cette production agricole. Pélagie Mbouimba et Pierre Claverilla. C'est un projet de culture de riz qui vise à améliorer la production agricole, favoriser la pratique d'une agriculture durable en aidant les pays africains à s'approprier les technologies agricoles et mécanismes de service de vulgarisation. C'est parti d'un constat, c'est-à-dire qu'au niveau du Gabon, il n'existe pas de programme de cette amélioration variétale qui est donc la base même de la production de semences de qualité. Donc, aucun développement agricole durable ne peut se faire sans la semence de qualité. Donc, la création de cette unité de sélection variétale au niveau des instituts de recherche du Gabon va donc permettre de développer et de mettre en place le système semencier, le rendre fonctionnel, de participer à la législation sur le semencier. C'est un projet intéressant dans la mesure où il apprend plutôt aux paysans de cultiver le riz, et ça permettra d'arriver à l'autosuffisance alimentaire et surtout à limiter les importations de riz au Gabon si seulement le projet prend forme. Pour la réussite de ce projet, mettre en place une équipe dynamique et efficiente de création et amélioration variétale. Contribuer efficacement à rendre fonctionnel le système semencier national, avoir un site expérimental aménagé et inciter la formation des sélectionneurs.